Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance d'hypnose ou de relaxation profonde. Le thème de cette séance, se protéger du négatif environnant. Bien évidemment, cette séance ne reflète pas entièrement une séance en cabinet. Nous n'avons pas échangé auparavant pour cibler un ou plusieurs objectifs précis. L'état d'hypnose est un état de conscience modifié naturel, ce qu'on appelle aussi transe. Trans comme transporter vers un beau voyage intérieur. Trans comme transformer en positif tout son être intérieur. L'hypnose se caractérise de deux façons. La première est lorsque vous êtes concentré sur un travail. La deuxième, c'est lorsque vous êtes dans la rêverie, tout simplement. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Simplement, permettez-vous, autorisez-vous à descendre en état d'hypnose. Pour certaines personnes, cela peut être une séance de découverte. Si vous ne partez pas en transe, cela indique qu'une partie de vous n'est pas prise en charge, ce qui est normal, je ne suis pas là physiquement. Avez-vous peut-être des doutes, des craintes? Pour les traumatismes ou autres problèmes, il vaut mieux être accompagné par un hypnothérapeute, moi par exemple. Cela permet de la réactivité et une prise en charge ciblée. Et je peux intervenir en cas d'émotion trop forte. Et seulement ensuite, vous pourrez éventuellement vous diriger vers l'auto-hypnose. Mes vidéos restent à votre disposition. Vous pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez. Maintenant, je vous conseillerais tout simplement, c'est de d'éteindre votre portable. S'il ne vous sert pas, bien évidemment, à visionner cette vidéo. N'oubliez pas aussi, c'est d'avertir votre entourage pour plus de tranquillité. Si j'articule mal, bute sur un mot, votre inconscient le reformule automatiquement. Si ces conditions sont réunies, alors je vous laisse vous installer confortablement sur un fauteuil, un canapé, sur votre lit, assis ou allongé. À tout moment de la séance, vous pouvez vous repositionner afin de descendre encore plus lourdement. Vous pouvez utiliser des écouteurs afin de créer un environnement intérieur encore plus favorable à la détente. Vous pouvez même mettre une musique de fond. Au cours de cette séance, si des bruits extérieurs se font entendre, ils vous permettront de descendre encore plus profondément. Si un risque extérieur survient, une alarme qui se déclenche par exemple, vous sortirez automatiquement de votre transe et vous serez apte à agir en conséquence de la situation. Même si quelque chose vous gêne pendant la séance, une émotion trop forte par exemple, votre inconscient vous ramène instantanément et vous serez en pleine possession de vos moyens. Il est impossible de rester bloqué en état d'hypnose. Votre inconscient ne distingue pas la réalité de la fiction. Alors, peu importe les images ou les sons que vous pourrez percevoir ou ressentir physiquement, ce sont des informations pour vous. Ce qui se passe pendant votre hypnose vous appartient. Vous êtes la seule personne à pouvoir l'interpréter. Votre inconscient trie les phrases, enregistre celles dont vous avez besoin ou envie. Le temps de vous installer confortablement, votre inconscient prend connaissance de ma voix, afin de vous accompagner au mieux. Si vous le désirez, vous pouvez même imaginer que je suis assis à côté de vous pour vous guider. Vous pouvez même ressentir ma présence. Vous pouvez même dès à présent, déjà, peut-être, ressentir vos paupières s'alourdir. C'est comme si elles avaient elles-mêmes commandé leur fermeture. Tout au long de la séance, elles resteront closes. Fermez-les maintenant, si vous le désirez. Maintenant, laissez-vous porter par ma voix, sans pour prêter attention à ce que je dis. Votre inconscient est là. Il gère pour vous. À partir de maintenant, tranquillement, à chaque inspiration, vous descendez profondément. À chaque expiration, votre corps s'alourdit.
Je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur ma voix. Laissez-vous partir naturellement. Autorisez-vous à laisser remonter les émotions, les rires, les larmes. Vos réponses résident à l'intérieur de votre mémoire consciente et inconsciente. Vous vivez votre hypnose. Accomplissez-la en douceur pour vous-même. Si vous désirez vous débarrasser de ce qui vous gêne, alors c'est maintenant, c'est le bon moment pour décider de changer. C'est votre instant. Ne vous forcez pas à descendre en transe. L'inconscient connaît le chemin qui y mène, de toute façon. Laissez-vous porter par le son de mes mots. Permettez-vous. Autorisez-vous à vous laisser aller. Vous êtes conscient de ma voix, de la vibration des mots, de leur résonance. Vous pourrez même vous endormir à la fin de la vidéo. Votre inconscient enregistre pour vous. Vous allez peut-être entendre des images, voir des sons, je ne sais pas. Si vous le désirez, maintenant, vous pouvez tout simplement vous souvenir d'un endroit. Un endroit où vous aimez aller. Ou simplement créer un endroit. Un endroit qui peut être magique, féerique, un endroit où il n'y a rien à faire. Personne à qui faire plaisir. Juste vous. Et vous ressentez votre corps s'alourdir encore et encore, s'abandonner à lui-même. Et en même temps, vous ressentez votre légèreté intérieure. Alors peut-être que ce sont vos pieds qui vont s'alourdir en premier ou votre tête, je ne sais pas. Et vous ressentez vos pieds bien posés sur le sol ou les talons sur un fauteuil, sur un canapé ou votre lit. Et vous sentez vos épaules qui se relâchent, qui se détendent littéralement. Votre tête s'alourdit. Votre front se détend, ainsi que vos joues, votre mâchoire. Et vous sentez votre corps qui s'affaisse de plus en plus, qui s'enfonce de plus en plus sur ce canapé, ce fauteuil, sur ce lit. Vous pouvez ressentir des picotements, ressentir votre corps qui s'engourdit comme un endormissement. Vous ressentez que vous êtes là, tout simplement. Accompagné par votre énergie qui circule du sommet de votre tête jusqu'à la plante des pieds. Descendre simplement. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez sentir votre corps qui va s'alourdir 1000 fois plus. 1, 2, 3. Et tout naturellement, vous sentez cette lourdeur qui, tout simplement, circule dans chaque centimètre carré de votre corps, qui se détend, qui en profite pour se régénérer, se reposer de toutes ces années. Libérer de ce poids, libérer les épaules. Ce poids qui se caractérise par la légèreté de votre corps éthérique qui circule harmonieusement à l'intérieur de votre corps. Vous prenez conscience qu'à l'intérieur, il y a toutes vos ressources. Peut-être que vous entendez des images, que vous voyez des sons, je ne sais pas. Des lumières, des pensées, des souvenirs. Quelques secondes de temps d'horloge pour simplement prendre conscience de qui vous êtes. Dans la sérénité, dans la lumière intérieure qui émane de l'intérieur. Et là, tout simplement, tout naturellement, vous allez imaginer, visualiser ou ressentir comme une petite bille lumineuse à l'intérieur de votre ventre. Ce ventre qui est le siège de vos ressources, de votre énergie, de vos émotions. À l'intérieur de ce ventre, cette petite bille de lumière va battre comme un cœur. Et à chaque battement, cette petite bille de lumière va grandir, s'intensifier,
se renforcer, irradier de l'intérieur vers l'extérieur. Tout naturellement. Grandir à chaque battement. Devenir de plus en plus lumineuse, de plus en plus forte, agréable, chaleureuse. Elle grandit au point de sortir de votre ventre, afin d'enrober votre corps, formant ainsi une coquille protectrice autour de vous. Cette coquille, vous pouvez l'imaginer, la visualiser, la ressentir. Vous prenez conscience que cette coquille prend de l'épaisseur, elle s'intensifie, elle se durcit de plus en plus. Elle fait 5 cm d'épaisseur, 50 cm d'épaisseur. Et plus elle s'intensifie, et plus vous sentez serein, sereine à l'intérieur de cette coquille. C'est comme être bercé dans un cocon de paillettes, paillettes de lumière. Et maintenant, tout simplement, vous allez pouvoir visualiser, imaginer que des pensées négatives de l'extérieur, des informations négatives de l'extérieur, essayent de pénétrer cette coquille qui est incassable, infranchissable, inviolable. Et regardez comment ces pensées négatives, ces mots négatifs, ces événements négatifs sont repoussés par cette coquille. Tout naturellement. Quel que soit l'endroit où vous vous promenez, quel que soit le chemin que vous empruntez, quelles que soient les expériences que vous vivez, quelles que soient les portes que vous ouvrez, cette coquille, elle est là. Elle est intemporelle. Elle est pérenne. Elle est incassable. Et vous avancez à l'intérieur de cette coquille en faisant fi de ce qui se passe de négatif à l'extérieur. Et vous avancez détendue, souriante, souriant. Et vous pouvez même visualiser ces phrases qui viennent se fracasser contre cette coquille. Ces mots, ces informations. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit là où les personnes avec qui vous êtes, peu importe le moment de la journée, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vivrez, à partir d'ici et maintenant, vous êtes dans cette coquille protectrice qui s'épaissit, qui s'endurcit à chaque seconde qui défile, simplement parce que vous la nourrissez de l'intérieur de qui vous êtes et que vous êtes votre propre ressource illimitée. Je vais vous laisser quelques secondes de temps d'horloge pour que vous puissiez prendre conscience de cette coquille protectrice que vous avez créée autour de vous. Ma voix va revenir vers vous dans quelques secondes de temps d'horloge. Pour l'instant, renforcez cette coquille. Voilà, très bien. Prenez le temps de prendre conscience de qui vous êtes, de profiter de la belle personne que vous êtes. Prenez conscience de cela. Laissez-vous porter et ressentez votre corps encore un instant, se relâcher parce que vous le désirez profondément. Chaque partie de votre corps vit une renaissance. Vous pouvez ressentir, percevoir une pluie de paillettes purifiantes qui traverse votre âme. Et votre lumière intérieure irradie jusqu'à l'extérieur. Cette coquille qui est désormais présente va vous permettre tout naturellement de vous sentir sereine, serein.
Je vais commencer un compte à rebours qui ira jusqu'à 5. À chaque décompte de chiffres, votre inconscient vous ramènera dans le ici et maintenant. 1. Vous prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. 2. Vous remontez reposé, rééquilibré, harmonisé. 3. Votre inconscient enregistre le timbre de ma voix. Lorsque vous regardez à nouveau cette vidéo, vous partirez directement en transe. Seulement si vous trouvez en totale sécurité et si vous le désirez. 4. Vous pouvez bouger, vous étirer. Votre inconscient fera en sorte que lorsque vous irez vous coucher et que votre tête touchera votre oreiller ou votre matelas, vous vous endormirez pour un sommeil réparateur. 5. Vous pouvez ouvrir les yeux et être complètement de retour avec moi. Prenez le temps. Ne vous levez pas tout de suite si vous le désirez. Prenez conscience de ce que vous venez de réaliser pour vous. Vous pouvez voir et revoir cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, mettre un pouce vers le haut, laisser un commentaire pour me dire s'il y a des thèmes que vous désirez que j'aborde. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans le monde de l'hypnose.